Comment ça va? Alors, moi, ça va. J'ai préparé mon petit café. En fait, on vient de se quitter parce que je viens de faire la vidéo juste avant. Oui, de junk. Et je reviens pour le junk. Oui, parce que je suis partie dans ma lancée, que tout est sorti, donc autant continuer. Voilà, on vient de faire, en fait, la semaine d'avant, donc pour vous, ceci, le trombone avec ses pendants. Voilà, on a fait ceci. Et donc, aujourd'hui, je voudrais faire la carte qui sera glissée en dessous le trombone. Donc pour ça, j'ai sorti dentelle, chute de papier, encre, perforatrice de bordure. J'ai aussi sorti les plaques embossées, du coup, que je n'utiliserai pas aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression que vous me voyez mal. Bref, tout ça pour dire qu'il nous reste à faire la carte et que je vais utiliser un autre rouleau de papier toilette pour faire cette fameuse carte qui sera donc glisser derrière le pochoir. Pour ça, je vais également utiliser un pochoir pour utiliser sur la carte. Donc, c'est les pochoirs de chez Action en carton, comme ceci, en fait, et c'est ce qui fera mon fond. Voilà, pour une fois, on fera avec ça. Pour changer un peu, et puis, on va la décorer ensemble. Je ne sais pas trop sur quoi je vais, comme d'habitude. Donc, on verra ça ensemble. Voilà, à tout de suite. Ah, me revoici, me revoilà. Donc, on va découper pour commencer le rouleau que l'on va venir aplatir. Donc, pour ça, je vais utiliser mon plioir encore et toujours. Hop, et je vais venir donc aplatir mon rouleau. Hop, rien de plus simple avec le plioir, ça va super vite. On va pas se plaindre. Et voilà, donc. Ben voilà, c'est déjà aplati, hein. On est pas mal. On est pas mal. Est-ce que ça a l'air d'être droit cette affaire? Ben, ça m'a l'air pas trop mal en fait. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va laisser comme ça. Je vais peut-être venir faire ces des découpes de bordure tout autour. Et venir faire mon pochoir après. Ouais, je vois bien ça comme ça. Et pour ça, je vais utiliser celle-ci. Oui, je vais utiliser celle-ci. Alors, je vais me placer à peu près au milieu. Est-ce qu'elle va bien vouloir? Parce que c'est du carton. Elle n'a pas l'air. Non. Elle va pas vouloir. Non, elle va pas vouloir. C'est pas grave. Et ben, on va venir prendre celle de chez nous et voir si celle-ci, elle veut bien. Et dans ces cas-là, je vais partir sur ouais, celle-ci ou. Ou non, plus celle-ci. Alors, je vais enlever mon petit scotch, puisque du coup, j'avais mis du scotch pour tenir mes plaques. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bon, ça, je vais le remettre après. J'espère qu'il collera encore. Donc, je vais venir mettre mes petites plaques dedans. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc, est-ce que c'est dans celle-ci ou est-ce que c'est en face? Non, je pense que c'est comme ça. Hein. Ah! Alors, ou alors c'est comme ça. Ah, bah c'est bizarre ça. Voilà, alors je crois qu'aujourd'hui, n'importe quelle vidéo que je vais vouloir faire, il y aura un truc qui va pas aller. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et du coup, celle-ci, bah oui, elle va bien comme ça. Donc c'est bien ça pourtant. Parce qu'elle ne peut pas aller comme ça. Ah si, elle peut aller comme ça. Donc apparemment, ce serait peut-être dans ce sens-là. Alors, si c'est dans ce sens-là, on récupère. Hop. Et hop. Hop. Donc, il est où le truc? Bah non, ça ne pouvait pas être dans ce sens-là finalement. Sinon, je passe où ma feuille? Bah oui. Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, j'avais raison. Ah là 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 là. Ça me fatigue, ça me fatigue. Bah oui, hein, franchement. Donc, je remets ça ici. Je remets ça ici. Voilà. Je place ma feuille donc dans la perfo. Apparemment, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, eh ben, ça ne veut pas non plus. Pourquoi ça ne veut pas non plus? Mais c'est terrible cette affaire. Non, ben, c'est trop épais en fait. Je pense que c'est ça, c'est que c'est trop épais. Donc, il aurait fallu que je prenne un dail. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo d'avant et que vous avez vu la semaine dernière, je n'ai pas envie de sortir la big shot. Donc, eh ben, vous savez quoi? Il n'y aura pas de bordure. Voilà. Hop.
Oh, ça va pas me casser les pieds. Bon, c'est pas grave. On va partir là-dessus déjà. Oups. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais prendre un petit bout de washi. Voilà, pour que tout tienne bien droit. Voilà. Je vais en prendre un autre. Alors, j'en avais déjà de près puisque sur ma toga, j'ai justement des petits washi comme ça qui collent pratiquement plus et justement qui éviteraient que ça déchire le papier. Alors, hop. Ça ne tient pas. Il n'y a rien à faire. Et pourquoi? Oh là là. Et aujourd'hui, hein, je vous jure, c'est un truc de fou aujourd'hui. Un truc à arrêter de faire les vidéos, en fait. Ouais, non, ça ne tient pas. Donc, hop. Hop, c'est pas grave. Restons zen. Je bois un coup. Ah ben, je vais le faire sans, c'est pas grave. Donc, je vais prendre la grande expression. Elle est où? Elle est là. Hop. Sauf que de toute façon, là, je vais peut-être faire un fond. Bien que, elle est déjà bien. Ouais, je vais peut-être la teinter avant avec la vintage photo. Vintage photo, donc ce serait celle-ci. Hop, j'enlève ça. Hop, je prends celle-ci. Je reprends ma vintage photo. Et je vais venir teinter un petit peu le fond ici. Ouais. Allez, on va teinter déjà un petit peu là. Hop. Bien que c'était pas très très blanc, mais enfin. Hop. On va venir teinter quand même. Et on va venir faire la vintage photo. Là, ça fait une ligne, là, je sais pas pourquoi. À mon avis, il va y avoir la colle du rouleau. Ou quelque chose, parce que ça fait une grosse ligne, là. C'est tout bizarre. C'est tout bizarre. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, je vais reprendre la compte d'expresso. Je vais d'abord repositionner mon pochoir. Donc, je vais quand même prendre un autre. Un autre washi pour dire que je vais tenir. Le pochoir, mais également ceci. Ouais, je vais la mettre plutôt par là. Ouais, par là, ce sera mieux. Voilà, on va en reprendre un pour. Hop. Et en fait, c'est parce qu'il n'est pas totalement plat que ça marche pas, je crois. Hop. 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 Et en remettant du washi sur le pochoir, j'ai peut-être une chance que ça arrête de bouger. Hop. Et on va faire comme ça. J'ai pris beaucoup de washi quand même. Hein, juste pour ça, là. Mais c'est pas grave. Bon. Ça veut vraiment pas tenir. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, de toute façon, je vais tenir avec ma main aussi en même temps. Donc, bon, c'est pas très grave. On va tester, on va tester. Allez, c'est parti. On va pas passer 2 heures juste à installer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque je tiens de toute façon mon pochoir également. Avec mes petites mimines, ça devrait le faire. Hop. Oups. Que je ne le déchire pas. C'était pas le but. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'avoir fonctionné, hein, regardez. Impeccable, ça a fonctionné. Donc, hop, j'enlève tout ça, hop, voilà. Ça a fonctionné, ça tombe très bien, c'est impeccable. C'est donc impeccable. Et ce que je vais venir faire, c'est prendre la vintage sépia de Versafine et fermer mes bords. L'arrière se décolle. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'on veut le glisser sous le trombone. Donc, en haut, il vaut mieux pas avoir d'épaisseur laissée libre comme ça.
Par contre, sur le bas, on peut en mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un napperon, comme ceci, voilà, que je vais venir découper et mettre qu'à moitié ici. Ça me semble pas mal. Bien sûr, je garde l'autre moitié. Hein. Ça, je vais venir le mettre ici. Je vais venir mettre un petit peu de... Ça, ça me paraît bien. Hop. Ouais, ça comme ça ou comme ça. Peut-être même comme ça. Alors, hop, 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 ici. Bon, il faut que ça tienne, quoi. On va laisser comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre encore? Mes petites boîtes. Il y avait des choses dans les boîtes. Ouais, voilà. Dans les petites boîtes, il y avait quoi? Il y avait ceci. Ah, ça peut être pas mal, mais je l'avais reçu, c'est pareil. C'est un cadeau de quelqu'un. Me demandez plus qui, je ne sais plus. Et ce n'est pas écrit derrière. Eh ben non. Dommage. J'aimais bien. Non, ça va être trop gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit oiseau là. On a un petit oiseau. Il faut pas qu'on cache tout notre fond non plus, quoi. Un truc dans le genre là, ça peut être pas mal. Alors ça, c'était pour aller avec un tampon. C'était la boîte d'un tampon que j'ai gardé. J'ai découpé le motif et je l'ai gardé. Ça me paraît pas mal. Et puis on peut mettre du coup la petite machine à écrire un petit peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ça paraît pas mal aussi. Donc, ouais, je vais mettre ça. Et pourquoi pas la petite pendule? Non, la pendule, elle va faire de trop. Ça va pas être bien. Donc, je vais laisser comme ça, je crois, en fait. Ouais, parce que ça, ça va être un petit peu grand quand même. Bon, bien que... Je vais peut-être le mettre en dessous, comme ça. Ma petite machine, ici, comme ça. Lui, on va le mettre comme ceci. Le petit napperon, je peux peut-être le décaler un peu. Parce que sinon, ça, je peux le mettre là, au pire du pire. Ah, je cherche, hein. Je cherche. Mais que des choses que j'ai déjà. Vous avez vu, hein, je n'utilise pas mes tampons. Je fais un effort. Et ouais, j'aurais bien mis ça comme ça, moi. Je vais mettre ça comme ça et ça devrait suffire parce que je veux pas mettre de trous pour la simple et bonne raison, c'est que je veux qu'on puisse écrire derrière. Et donc derrière, on mettra une feuille de cahier comme on avait fait sur une des pages. Et ça, je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Ah, ou alors je mets ça derrière parce que ça fait comme des lignes. Ouais, elle est assez grande. Elle est assez grande. Ouais, donc je vais mettre ça derrière. Donc on va coller ça. Hop, donc du coup, j'ai pas besoin de ma colle chaude, c'est impeccable. Je vais déjà coller mon petit napperon. Mais du coup, je vais pas le mettre trop sur le côté, je vais le mettre par ici. Voilà. Bon, alors, le fond, il se verra pas beaucoup, mais c'est pas grave. Il se verra quand même. Hop. Donc, je vais remettre ça par ici. Voilà. Donc, hop, comme d'habitude, c'est trop blanc. On vient salir. Alors, comme je tiens en même temps parce que c'est pas collé, ça a du mal à coller. J'espère que je vais pas tout de suite mettre de la colle chaude. C'était pas prévu dans mon programme. Ou alors, ce que je peux faire, c'est hop, y mettre une petite pince pour que ça colle là. Une autre pince pour que ça colle là. À force, ça devrait pouvoir coller. Je vais coller ma photo du gars là. Par ici, voilà,
on va coller ceci par ici. Hop. La machine à écrire, c'est un sticker, donc ça, j'ai pas besoin de le coller. Enfin, de mettre de colle, tout du moins. Ça, ça va venir par-dessus, ici. Je trouve ça trop joli. Ah, ça bouge. Il n'y a rien de collé, là. Il n'y a rien de collé, il n'y a rien qui colle. Ça va m'énerver, cette affaire. Comment ça, vous ne voulez pas coller? Non, mais c'est quoi, ce bins? Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Je me suis fait mal, là. Ça me pique. Je ne sais même pas avec quoi je me suis fait ça. Bon, bref. C'est pas grave. Hop, et ma machine à écrire, du coup. Bon, la machine à écrire qui veut pas. Non, mais je vous jure, c'est un truc de dingue, hein. Bon, ben, je crois qu'après celle-là, j'arrête. Hein, ça sert à rien. Je ne fais que galérer aujourd'hui. Donc, on verra plus tard pour les vidéos, je crois. Hein, oui, ça va être ça, parce que je ne fais que galérer. C'est un truc de fou aujourd'hui. Bon, voilà. Du coup, j'ai pas fini de salir tout à l'heure parce que ça collait pas. Voilà. Hop. Voilà, parce que je veux pas trop d'épaisseur, vu que là derrière je veux mettre ceci. Hop, on va mettre ceci pour qu'on puisse écrire derrière la carte. Voilà, voilà. Donc je pense que là elle est pas mal, ma carte, parce que comme elle sera avec le trombone après par-dessus, ça me semble pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du scotch double face sur tous les côtés ici. Je vais venir positionner ma feuille et après je couperai ce qui dépasse. Hop. Hop. Et hop. Ah, je vous jure. Ah, j'aurais peut-être mettre ça. Ouais, ah ouais, mais pour écrire, ça va pas être terrible aussi parce que ça va faire de l'épaisseur. Donc non, 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 non. Ça va pas être terrible. Hop, on verra de toute façon une fois avec le trombone si ça choque, s'il manque quelque chose ou pas. Déjà, je vais venir coller ma feuille derrière. Hop, ici, il faut un point de colle parce qu'ici, ça se décolle. Hop, c'est le problème du papier toilette des fois. Bon, de toute façon, je vais faire coller la feuille par-dessus, donc ça va s'atténuer à ce moment-là. Hop, allez, ma feuille, donc dans ce sens-là, pour qu'on puisse avoir les lignes. Je crois que vous n'avez pas vu ma touffe, quand même. Non, 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 non. Bon, je vais la faire dépasser, juste pour être sûre, en fait. Voilà. Alors, il y a une petite perte de feuilles, mais c'est pas grave. Je vais venir découper tout autour. Mais c'est pour être sûr que, en fait, il y ait bien de la feuille partout. Voilà. Hop. Donc, du coup, on pourra écrire derrière. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne si je regarde maintenant avec le trombone? Est-ce qu'il manque un détail? Est-ce qu'il manque quelque chose? Ou est-ce que ça peut suffire? Voyons voir, voyons voir. Hop, le trombone, il est ici. Donc, je vais l'enlever, je vais faire ça. Hop. Non, ça me semble pas mal en fait. Ça me semble pas mal du tout. Ouais. Ça me semble pas mal du tout. Donc, la semaine prochaine, on s'occupera de la carte ici. Et on s'occupera de par là. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.